des milliardaires, ils valent que quelques coups de pelle. Super, ouais. Ouais, il y a des gens qui prennent pour des PD, ils s'inventent des vies, ils s'inventent des couilles, ils font de la diffamation, ils inventent des histoires, ils se les font tourner entre eux, ils y croient dur comme fer. Ils ont vraiment l'impression que ça existe. Je tiens un truc, moi je suis un musulman et moi il n'y a personne qui me raquette. Parce que nous, les musulmans, avant de mourir, on shahed. On dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad rasulullah ». Ça veut dire « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager ». À partir du moment où t'as dit ça, t'as peur de personne. Donc il n'y a personne qui prendra de l'argent à ROH2F. Tu vois, il n'y a personne qui peut faire ça. Les gens, ils savent à qui faire ça. Et tout le monde se connaît. Hein, on a nos anciens, on a nos équipes, on a les gens de notre âge. Hein, on porte nos couilles, on suce personne. Hein, on a fait des erreurs, mais jamais on a donné nos tubes. D'accord? Donc tous ces vieux pointeurs, ces anciens-là, tels qu'ils soient, hein, les gens, je sais pas, ils ont victimé des gens à Châtelet, ils ont pointé quelques meufs, ils ont vendu un peu quelques... Ils ont vendu de la drogue, ils se prennent pour des choses. Tout le monde l'a fait, ça. Chez nous, à Vitry, les gens, des jeunes de 16 ans, ils ont braqué, voilà les banques. Des records, des plus de 100 banques. Ils ont pas été créés sur tous les toits, tout le monde en parle. Tu vois? Donc les grandes gueules du trottoir, alors plein de coke dans le nez, plein de ala 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 qui manipulent tous les petits des quartiers là, de Paname ou des 9-3 qui manipulent tous les petits, tu vois, ça c'est des grosses tafioles, d'accord. Et sur la vie de ma mère, qui s'imagine pas une seconde, qui lève la main sur moi, il s'étale pas par terre, sur la vie de ma mère, hein, quelques pas en arrière et c'est réglé, t'inquiète pas. Maintenant, il y en a, ils font des DVD. Tu les vois, tu parles avec eux dans les yeux, ils disent il n'y a rien du tout. Et ils font les malins derrière. Ok, bon voilà, la diffamation, ça coûte très très cher chez nous. Les mensonges, ouais, Rof, il est mort, Rof, on lui a pris son Cayenne, fils de pute, je l'ai bicra 65 000 E. Ouais, ça décote comme je l'ai dit. Tu veux me boycotter par les mensonges? Parce que c'est la seule manière de nous faire perdre le respect, c'est par les mensonges. Tu vois, fils de pute, même dire, même ils étaient là, t'étais là, tes fesses, d'accord. Et est-ce qu'il paraît, on m'a pris mon Cayenne, est-ce qu'il paraît, j'en ai racheté un autre avec les mêmes plaques et la même rayure, enculé ta mère la pute. Maintenant je veux te dire, t'as vu, moi je m'appelle Rof, mais on va oublier Rof, on va c'est Hess. Avant d'être connu dans le rap, j'étais connu dans ma ville. Tous les gens de chez moi, tu peux te renseigner, on n'est pas des PD, on est des hommes. On a toujours tenu le pavé. On a manqué de respect à personne, on manquera de respect à personne gratuitement, on n'est pas des Hagar, la Hagar ça paye pas. Et on va leur montrer à ces fils de pute que la Hagar ça paye pas. Ils verront bien c'est quoi nos réflexes. Ils s'imaginent pas qu'on va serrer la main, fils de pute. D'accord? Voilà. Maintenant ils peuvent travailler avec les quais des orfèvres, nous on fait de la musique, hein. Pas vrai? Gros, il y a des mecs qui sont la dalle, gros. Ils t'arrachent les dents. Sur la vie de ma mère, ils ont la dalle, gros. Tu vois? Je veux pas dire ce qu'il y a derrière eux, mais gros, il y a des gens, ils nous aiment beaucoup, gros. Tu vois? Nous, on s'aime beaucoup déjà. Nous. On compte pas sur eux, mais ils comptent sur nous. Et on pourrait compter sur eux en claquant des doigts. Tu vois? Ça fait longtemps qu'ils seraient pas là, ces fils de pute. Mais on est gentils, sur la vie de ma mère, on est trop gentils. Mais tout ça, c'est fini, tout ça. Tout ça, c'est fini. Le cinéma, écrire des chansons, jouer avec les mots. Tu vois? J'ai jamais voulu dire des noms. Quand les gens, ils nous ont attaqués, on n'a pas voulu dire des noms pour pas leur faire de la pub. Et pas parce qu'on a peur d'eux, parce qu'on veut pas leur faire de la pub à ces fils de pute. D'accord? Donc fais tes clashs, t'inquiète pas moi. Il y en a, ils ont 40 ans, ils sont plus jeunes que nous dans la tête. Manipule tout ce que tu peux, engraine tout ce que tu peux pour t'aider. Parce que ça a vu ma mère, gros. Va falloir t'accrocher, mon ami. On verra bien, de toute façon. Pareil, c'est petit. Hein. Hein, la banlieue sud, vous êtes loin de la connaître. Hein. Hey, pourtant, pareil, c'est petit, mais il y en a, on les voit pas. Il y en a, pareil, c'est petit, mais on les voit pas, frère. On m'a dit, pareil, c'est petit. Ils sont durs à voir. Ils se cachent bien. En mode fâché ou quoi? Qu'est-ce que t'as fâché. Un peu remonté? Hein? T'es un peu remonté? Parce qu'il y a des fils de pute, ils veulent se faire un buzz sur nous, et leur fond de commerce, c'est critiquer les autres. Espèce d'enculé de ta mère, la grosse putain, va. Enculé de tes morts, comme ils disent. D'accord? T'inquiète pas, fils de pute. Non, je vais te montrer, moi, les gros porcs, les musclés, les... Pousse la fonte, enculé, pousse encore, je vais te la pousser, moi, pousse encore. Pousse, je vais te montrer, tout ça, ça sert à rien. Fils de pute, j'espère que t'as les mêmes réflexes que moi, enculé de ta mère. Tu vas voir. Moi, Rof, t'inquiète pas, je vais pas... Rof, c'est mon ami, Rof. C'est mon ami, la chose derrière. Soldat de Vitry, gros. T'inquiète pas, bah. S'en bat les couilles du rap, on rappe, c'est bien. Tu sais quoi, nous, on assumera, avec un tapis de prière, alhamdoulilah.
t'inquiète pas. Où qu'on soit, hein. Dehors, dans le Sahara, enfermé, un tapis de prière, ça aide. C'était de ma mère. Je sais que c'est dur, mais ça aide. T'inquiète pas, fils de pute. Nous, on n'est pas accrochés à la vigne. Tu es ta mère. C'est fini le cinéma. C'est fini le pâté UGC, le cinéma, là. C'est terminé. Hein. Tu vois ? C'est fini le cinéma. Pas d'acteur, y'a pas de réalisateur. Enculé de ta mère, la pute. T'as raté ta vie, tu veux t'en prendre aux jeunes, fils de pute. Bon à rien, enculé de ta mère. Là. Les vrais bonhommes, les gros Youvois, les gens bien même. C'est même pas ce peu monde des Youvois, ils rigolent de vous. Bon, enculé vos mères, les putes. Venez frime avec moi, viens frime avec moi, tu vois. Voilà. Oublier le rap un petit peu. Je suis ta mère, posez les stylos et... ou rentrez-vous, rentre-toi le stylo dans ton cul, tu vois. Fils de pute. Mais là on voit les bonhommes. Il y en a, ils ont besoin d'engrainer les petits, chauffer tout le monde, Zama une tribu, Zama une équipe, des bandes, des gangs. Je suis ta mère, toi et ton gang là, je fais rien. Un gang bang à ta mère, la pute, tu vois. Fils de pute. Nous c'est individuel, on a pris tout seul à se défendre. Pas besoin de bande. Ouais. De toute façon, on sait ce qui peut éliminer une bande. T'inquiète pas, c'est vite fait. Ouvre tes fesses. T'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. Pas toujours qu'on a pris mon Cayenne. Pour l'école, l'arbitre grave 65 000 euros. Ça décolle. T'es mis à la mode. Tu remix. Remix. Boy, écoute. C'est pas quelques pommes pourries qui vont gâter la récolte. Bon écoute, c'est pas quelques pommes pourries qui vont gâter la récolte.